Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns. Aujourd'hui, je vous montre comment battre super facilement le turiféraire de glace instable, donc qui est un boss de Steel Rising. J'ai vu ça sur un de mes lives. Il y en a un qui m'a posé la question, comment battre ce boss qui est un petit peu chiant. Alors, chiant pourquoi? Parce qu'il fait beaucoup de dégâts, il tape pas souvent, mais il fait beaucoup de dégâts et il est très résistant. Et là, vous avez vu, ce que j'ai commencé à faire, c'est balancer mes grenades incendiaires pour lui faire des dégâts. Alors, c'est tout con, un petit peu à la Pokémon, hein. Tout simplement, je me suis dit, tiens, il a des techniques de glace. Alors, qu'est-ce qui pourrait lui faire le plus de dégâts? Bah, les flammes, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes grenades incendiaires, je les spammais avant même de commencer le combat. Tout de suite, on est balancé deux. Comme ça, il a son état de brûlure un petit peu constante, quasiment tout le combat. Et ça lui fait, regardez, hein, la barre de vie comme elle baisse avant même la fin du combo. Donc, ça lui fait des brûlures constantes. Quand il finit ses 3-6, nos scopes avec ces deux boules là de glace, et ben vous lui mettez un coup dans le dos, vous en mettez 2-3 comme ça. Guettez sa barre de vie. Si vous voyez qu'à un moment l'état de brûlure s'est enlevé, n'hésitez pas à lui rebalancer directement dans la gueule une bastos de flammes. Et puis vous verrez que ça marche très très bien et le combat est beaucoup plus simple. Du coup, ce que vous avez à faire, c'est le taper de temps en temps quand vous voyez qu'il est en bout de combo, comme ça, quand il est essoufflé. Et après, vous laissez faire la brûlure, comme ça, vous n'avez pas de mal. Donc voilà, c'est une petite vidéo bonus, hein, si j'ai envie de dire, parce que globalement, je n'aurais pas fait normalement cette vidéo pour ce boss-là. Mais vu qu'on m'a demandé comment le battre super facilement, parce qu'il y en a qui, apparemment, qui étaient passés sur mon live, qui en chient un petit peu. Donc voilà, c'est l'astuce que j'ai utilisée moi, ça tombe bien. Donc voilà, cette petite astuce, j'espère qu'elle vous aidera. Normalement, ça devrait être le cas. N'hésitez pas à me faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite. Moi, je vous laisse là, c'était Reigns. Allez, ciao, ciao.